tous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo qui, je pense, va être trop longue. Donc, je vais la couper en deux et on va faire deux parties parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Évidemment, le titre est assez évocateur et donc forcément, ça va peut-être faire jaser ou attirer du monde. Mais bon, on va se calmer hein, parce que c'est pas le but. Voilà, la libido. Alors, justement, quand je dis qu'on va se calmer, peut-être qu'on va arrêter de dire des bêtises autour des fleurs de Bac et autour de la libido. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, ça se défend, vous allez penser ce que vous voulez. Mais moi, mon rôle en tant que conseillère agréée par le centre Bac, c'est vraiment, et c'est vraiment mon rôle, c'est justement de redonner les lettres de noblesse à chacune des 38 fleurs, plus voilà le remède d'urgence, la crème, et d'aider toute personne qui découvre les fleurs de Bac à se découvrir elle-même, à comprendre le système. Et donc, pour ce faire, il faut savoir comprendre, écouter, accueillir les émotions que je ressens, que vous ressentez, que nous ressentons. On va parler au nous, comme ça sera plus simple. Mais quand je dis je, c'est pas que moi, hein. Évidemment, c'est je au sens large. C'est un jeu qui se conjugue au passé, au présent et au futur. Hein, quand je dis je, c'est pas moi forcément, hein, que les choses soient bien claires. Et en même temps, je dis je parce que bah, je m'implique aussi, puisque je suis aussi traversée d'émotions. Donc nous, je, voilà, c'est ok. Je ne tutoie pas dans les vidéos parce que je considère que je n'ai en face de moi personne de concret et donc j'ai pas envie de tutoyer. Je n'ai pas forcément envie qu'on me tutoie non plus. Sauf que quand c'est ok, bah, qu'on est tous les deux ok, bah, voilà, on va se tutoyer. Mais là, moi, je vous vois, donc voilà, c'est comme ça. Et quand je dis jeu, encore une fois, ça englobe vraiment, c'est un jeu universel en fait. Hein. Et donc dans mon rôle de conseillère agréée et donc de pédagogue, on va dire, d'éducateur, en tout cas d'éveilleur de conscience par rapport à nos émotions, puisque les fleurs de Bac, ça traite bien les émotions, mon rôle, c'est évidemment de parler de l'émotionnel. Alors quand quelqu'un arrive avec une problématique et une demande libido, eh bien déjà, il faut recadrer le sujet. Je ne suis pas urologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste et je n'ai pas en charge la prise de la libido à proprement parler. Je suis conseillère agréée Fleur de Bac et pour ce faire, je peux accompagner sur le plan émotionnel quand il y a une problématique qui est liée à la libido. Mais encore une fois, la libido, c'est vaste, ça veut tout dire et ça veut rien dire selon moi. Maintenant, c'est mon point de vue, vous défendrez le vôtre si c'est nécessaire. J'ai souvent des demandes justement, enfin j'ai souvent, ça m'est arrivé d'avoir des demandes par rapport à la libido. Eh bien, il faut toujours regarder le sujet parce que déjà, il faut demander à la personne si elle a fait le nécessaire, si elle est allée consulter une personne et s'il n'y a pas de troubles fonctionnels. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de prendre des fleurs de Bac pour accompagner l'émotionnel dans le cadre de la libido, s'il y a un trouble fonctionnel qui m'empêche véritablement d'avoir la capacité à l'accès au désir. Alors, le mot libido, je viens de regarder sur le petit Robert, puisque c'est lui qui m'accompagne. Eh bien, le mot libido, c'est 1913 ou 1912, je ne me rappelle déjà plus. C'est Freud, en fait, hein, qui a inventé ce mot qui est en lien avec le mot latin qui veut dire désir. Donc, voilà, c'est intéressant parce qu'évidemment, la psychanalyse s'est mise dedans. Et donc, après, voilà, il y a Jung aussi qui a repris derrière et qui parle aussi d'objet du désir et qui n'est pas forcément non plus en termes de sexualité. Donc, voilà, c'est important aussi que la libido, ça peut être aussi transcendé, entre guillemets, hein, qui n'est pas forcément en relation avec la sexualité. Alors là, on va parler de ça puisque c'est vraiment le sujet du jour et la demande, puisque il n'y a pas longtemps, j'ai eu donc une consultation téléphonique au sujet d'un manque de libido et donc d'un désir. Donc la première chose que je fais, c'est déjà recadrer le sujet dans un cadre professionnel, c'est important. Situer qui je suis, quelles sont mes limites, et auquel cas, s'il y a des nécessités, eh bien, il faut consulter un médecin, et si ça n'a pas été fait, je pense que c'est la première chose à faire. Après, si c'est d'ordre émotionnel, il est évident que là, les fleurs de Bac, elles peuvent tout à fait avoir leur place en supplémentation, si nécessaire, évidemment, d'un traitement médicamenteux ou autre. Donc ça, c'est fait déjà, parce que voilà, ne pas laisser penser et pas laisser croire tout et n'importe quoi autour des fleurs de Bac. Déjà, ça discrédite terriblement le rôle de tous ceux qui ont envie vraiment à cœur et qui ont à cœur, oui, voilà, d'accompagner tous ceux et celles qui viennent les frapper à la porte en disant, voilà, j'aurais besoin
gérer, accompagner, traiter, transformer, équilibrer, ressourcer mes émotions. Donc ça, c'est OK. Mais si on n'est pas professionnel, et ben effectivement, ça laisse penser que on peut faire tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas le but, en fait, puisque c'est une fausse demande, c'est une fausse promesse. On va laisser penser que les fleurs ont ce pouvoir-là, alors qu'elles n'ont pas de pouvoir à proprement parler, et encore moins sur la physiologie. Alors encore une fois, il y en a qui vont s'insurger en disant « Oui, mais quand même, ça a un lien. » Oui, c'est vrai. Bien sûr que inéluctablement, les émotions sont en lien aussi avec ce dysfonctionnement que peut occasionner des pensées, des émotions récurrentes, et donc peuvent provoquer des troubles physiques et un dysfonctionnement qui va occasionner, voilà, des incapacités à ceci et cela. Alors dans tous les cadres, hein, pas forcément la libido. On le sait, c'est OK. Mais tout de même, je pense que c'est important de ne pas laisser croire des idées qui peuvent être complètement fausses et erronées au sujet des fleurs de Bac. Les fleurs de Bac ne traitent pas des troubles fonctionnels. Voilà, c'est comme ça. Donc à partir de ce moment-là, oui, tout est lié. Et si tant est que les fleurs arrivent à occasionner un équilibre physique suite à cet équilibre émotionnel, ben, on en restera là et on fera un constat, mais on ne va pas forcément associer la fleur de Bac à le rééquilibre du trouble fonctionnel, parce que ce ne serait pas la réalité. Et puis, je pense qu'au niveau de la médecine, c'est pareil, beaucoup de médecins pourront s'accorder à dire qu'il y a des choses aussi, quelquefois, qui les échappent, qui leur échappent et qui, malgré le fait d'avoir pris des traitements, etc., ils ont pu aussi observer depuis ça et depuis de nombreuses années dans tous les pays, des fois des résultats qui sont assez étonnants et qui n'ont pas de résultats en lien aussi avec des traitements. Donc c'est comme ça aussi, il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il y a des choses qui vont nous échapper et qu'on ne pourra pas forcément attribuer à telle ou telle cause. Donc voilà, restons aussi humbles par rapport à ça. On ne connaît pas tout, on est encore au stade, à mon avis, embryonnaire de toute la connaissance de la physiologie et de toutes les répercussions que tout peut avoir sur tout. Voilà, on est aussi à l'ère de la physique quantique, donc je parlais depuis très longtemps de l'épigénétisme, j'en ai parlé dans mon bouquin sur les fleurs de Bac pour accompagner les enfants. Voilà, quand je dis stade embryonnaire, c'est vraiment embryonnaire, c'est-à-dire qu'on est en 2021 et je pense que d'ici 10, 20, 30 ans, on pourra regarder cette vidéo si on peut encore le faire, mais vous verrez bien que on est vraiment aux prémices de tout ce qu'on peut encore découvrir sur le fonctionnement physique et corporel et tout ce qui est en lien avec la neurobiologie et tout ce qu'on va sécréter au niveau de cette chimie absolument incroyable dont est composé totalement notre corps. Donc voilà, ce chapitre-là donc est clos. Je vais pouvoir passer à autre chose. Et voilà, donc la demande initiale, c'est la libido. Alors, qu'est-ce qu'on entend par libido? C'est toujours pareil. Là, je vais m'adresser peut-être à une certaine catégorie de personnes, mais bon, je vais donner des exemples qui ne sont évidemment pas exhaustifs parce qu'on pourrait parler de toutes les situations. Est-ce qu'il y a une fleur en particulier pour la libido? Alors, ma réponse est non, bien entendu. Il n'y a pas de fleur sur la problématique de la libido, pas plus qu'il y a de fleurs de problématique du licenciement ou du reste. Tout est question d'interprétation du comment moi je vis cette problématique et cette demande au sujet de cette baisse de libido, ou alors ça dépend, ça peut être la baisse, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être voilà, une absence totale, ça va encore une fois dépendre de la façon dont la personne va décrire elle-même ce qu'elle considère être justement un dysfonctionnement chez elle, alors qu'elle ne va pas forcément toujours bien le prendre, parce que si elle vient frapper à la porte pour des fleurs de Bac, c'est qu'évidemment elle n'est pas dans un état d'équilibre, sinon quand on accepte d'avoir par moments des phases aussi qui sont en deçà de cette courbe que l'on connaît de soi-même sur cette capacité et ressource du plaisir et cette recherche effectivement de cette sexualité épanouie ou non, mais ce que moi je considère être une forme de norme, on pourrait dire, si on pourrait considérer qu'il y a un biorhythme, puisque
Nous sommes de toute façon faits de phases, on va dire, plutôt ascensionnelle, plutôt descendante, ça dépend, donc ça va être une espèce de vague qui peut aussi arriver chez l'homme comme chez la femme. Alors évidemment, on n'est pas constitué de la même façon, donc forcément, est-ce qu'on peut comparer les deux biorhythmes au même moment? Peut-être ça aussi, c'est à prendre en considération dans cette demande. Peut-être que ça peut être une personne isolée qui va demander et que l'autre n'a pas dans le couple ou dans la relation, n'a pas le même point de vue sur ce qu'est être une libido, peut-être dans le même sens, hein. Ça c'est aussi important de le prendre en compte parce que on peut avoir un regard sur sa propre libido qui n'est pas forcément apprécié ou jaugé de la même façon que le partenaire, gileux ou là, hein, peu importe. Donc ça c'est aussi à voir comment ça se passe parce que c'est une question individuelle à mon sens et c'est une demande qui a prise en prendre en compte de façon individuelle et personnelle, mais quand c'est une relation de couple, je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler, peut-être pourquoi pas un sexologue dont c'est le métier et qui va peut-être accompagner ce couple dans cette peut-être reformatage, on va dire, en tout cas reconsidération aussi de ce que peut représenter aussi le désir chez l'un et chez l'autre. Ça n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes conception, on va dire, de cette libido ou de ce désir. Donc c'est peut-être aussi à voir ensemble. Et quand c'est individuel, donc c'est peut-être ce qu'on va voir maintenant. Mais tout ça, je pense que c'est quand même, quand il y a une demande, vous traitez les fleurs de Bac, ok, c'est bien, vous pouvez faire quelque chose pour moi pour la libido. Je pense que déjà, cadrer déjà ce sujet-là, c'est important aussi, parce que il faut laisser passer la... Enfin, parler la personne, laisser passer, j'allais dire, le flot aussi émotionnel et les mots qu'elle va employer et tout ce qu'elle va considérer autour de la libido. Parce que sinon, c'est caduque de s'engouffrer dans le mot libido en disant, ceci, cela, non, ça ne se passe pas comme ça en fait, puisqu'on est tous uniques et singuliers et on va tous avoir une façon et une approche particulière d'aborder cette thématique. Sans compter que, alors quand je parlais de biorhythme, alors soit je le fais tout seul, soit je le fais comme ça en couple, ou en tout cas en relation, il y a aussi des phases de la vie, et c'est pas simplement journalier, hebdomadaire ou quotidien, c'est aussi au-delà de l'année, il y a des cycles aussi dans la vie, il y a aussi une énergie de vie qui n'est pas la même lorsque je suis... dans cette expérimentation, de cette découverte de ma sexualité, de ce désir, de ce plaisir, et lorsque j'évolue en tant qu'homme ou en tant que femme. Alors sexué homme ou sexué femme, peu importe, en tout cas la physiologie, elle est ce qu'elle est. Et à un moment donné, on ne va pas nier l'évidence que le corps de l'homme et le corps de la femme ne fonctionnent pas de la même façon. C'est comme ça. Donc il n'y aura pas de débat là-dessus, c'est pas genré, c'est juste, c'est la réalité des faits. Et donc, effectivement, quand il y a quelqu'un qui va venir demander un entretien de fleur de Bac pour la libido, de quoi on parle aussi, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va écouter la personne dans sa globalité ou est-ce qu'on va l'isoler de tout ce contexte aussi physiologique qui concerne aussi son entièreté dans une situation globale ou est-ce qu'on prend juste la libido? À mon sens, c'est une erreur que de penser les choses comme ceci, puisque si c'est décorrélé de sa vie, dans son sexe, son genre justement, dans sa phase de vie, à mon sens, ça ne pourra pas être tout à fait juste dans la mesure où on va isoler la personne. Il faut aussi remettre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que des fois on ne peut pas demander non plus une libido extrêmement ascensionnée dans un contexte. Je vous donne un exemple très concret. Si une personne vient consulter et demander, alors que ce soit un sexologue, un médecin ou un conseiller agréé fleur de Bac, hein, après ça regarde que moi. Hein. Encore une fois, c'est moi qui fais les vidéos, donc forcément je parle de mon point de vue et ça ne reste que mon point de vue. Je mets du reste en bas de la vidéo à chaque fois que les fleurs de Bac ne traitent pas des pathologie et que ça n'empêche pas au contraire d'aller voir son médecin et ne jamais arrêter un traitement médicamenteux. Ça n'est pas le but des fleurs de Bac. Voilà, ça s'est cadré aussi. Mais encore une fois, dans mon point de vue,
Si par exemple je suis une femme, puisque je m'adresse souvent aux femmes et à la vie voilà, de la périnatalité, j'allais dire de la parentalité aussi, et voilà, de tout ce qui peut concerner cette femme, si je viens d'accoucher par exemple, hein, et que je viens d'avoir une césarienne, est-ce que je peux avoir des craintes sur des troubles de la libido? Je vous laisse juger de penser et de poser. Des pensées en particulier sur cet état de fait, on ne va pas comparer cette femme qui avait peut-être 27 ans avant voilà, sa grossesse et ensuite à 28 ans lorsqu'elle a son petit, suite à tout ce qu'elle aura pu vivre dans le cadre de la gestation de son bébé, son accouchement, les suites de l'accouchement. Est-ce qu'elle peut comparer sa sexualité, sa libido de 27 ans ou celle de 28 avec son bébé qui est né par césarienne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle de la libido ou est-ce qu'on parle de cette femme-là dans ce contexte-là, dans cette situation, de cette période de vie? Donc voilà, c'est important aussi de recadrer les choses. Hein, quand je parle de bon sens, on ne peut pas non plus s'inquiéter outre mesure dans des situations où ça n'est pas nécessaire, parce qu'il y a un temps aussi pour chaque chose dans la vie d'une femme, et en l'occurrence celle-ci peut-être en particulier, peut-être pas l'autre, et encore une fois, on ne fait pas de généralité sur toutes les femmes qui accouchent par césarienne et qui pourraient avoir des demandes et des baisses de libido. Alors, c'est pas forcément un manque et une baisse de libido, ça peut être tout simplement fonctionnel, parce que pour son corps, là, il faut peut-être lui laisser du temps aussi. Pour la cicatrisation, pour les suites de l'accouchement, pour le postpartum, pour tout ce qu'il y a à faire aussi autour, peut-être avec l'allaitement, peut-être sans l'allaitement, peut-être la mise en place, peut-être qu'elle est seule pour s'occuper de son enfant, peut-être que son compagnon est loin, éloigné, et peut-être que lui, lorsqu'il rentre, parce qu'il a son travail qui l'emmène souvent en déplacement, peut se plaindre d'un manque de plaisir et un manque de désir du plaisir et de libido de sa compagne. Mais est-ce que c'est un vrai trouble de la libido ou est-ce que c'est juste une question de voilà d'écoute, d'attente, de patience? Alors peut-être que ça peut paraître du bon sens pour certains, mais peut-être pas pour d'autres non plus. Donc il faut quand même à un moment donné aussi recadrer les choses. Je pense que c'est important aussi de contextualiser les émotions par rapport à ce que chacun vit. Et ce contexte-là a des incidences sur les émotions, mais c'est pas. J'ai des troubles de la libido, c'est je vis telle situation, je vis telle circonstance, j'ai tel type d'émotion, et donc ça occasionne, à mon sens, des troubles de la libido. Alors là, pour le coup, ce serait peut-être plus sage et plus clair aussi de discuter dans ce sens-là, et là, on pourrait voir ensemble et cheminer ensemble pour essayer de comprendre ce qu'il se passe émotionnellement dans cette configuration émotionnelle de ce couple en particulier. Voilà, c'est important aussi de placer les choses, de les comprendre dans un contexte. Pour donner d'autres exemples, est-ce que l'on compare pareil, la libido qui pourrait être entre guillemets en berne, ou alors toujours pareil, c'est je dis en berne ou en hausse, en fonction du schéma, de la représentation du schéma que la personne a déjà comme. Comment dire, comme représentation, comme évaluation de là c'est ok, là ça ne l'est pas. Parce que j'ai une représentation qui m'est propre, mais je ne peux pas projeter sur l'autre sa propre représentation de sa propre sexualité. Auquel cas, cette personne, quand elle va venir demander des fleurs de Bac, où elle se situe par rapport à son capacité de se dire c'est ok ou ça ne l'est plus. Et c'est là où justement, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ça? Et ça, ben, il n'y a qu'elle qui peut le dire. Donc à partir de ce moment-là où elle peut elle-même dire ça ne fonctionne plus pour moi et ça me fait souffrir émotionnellement, dans ce cadre-là, c'est là où il faut avoir cet espace, j'allais dire cet espace-temps, mais oui, cet espace aussi pour poser les choses et bien reconsidérer qu'est-ce qui bloque pour moi et comment je peux considérer que cela bloque, parce que ça, des fois ça bloque, mais en parlant, on s'aperçoit que ça bloque pas tant que ça finalement, ou que ça bloque, mais que peut-être que je bloque trop moi aussi sur ma façon de considérer qu'il faut absolument être à ce terme-là en permanence, et que justement, eh bien la vie
ma vie de femme, si je m'adresse aux femmes, a des rythmes aussi qui sont différents au cours du mois. Donc voilà, plus en plus au contexte peut-être très particulier d'un accouchement actuellement. Mais est-ce que c'est simplement l'accouchement? Est-ce que c'est par exemple tout simplement j'ai des difficultés au travail actuellement? Est-ce qu'on parle à ce moment-là de libido au top dans ces moments-là? Est-ce que lorsque j'ai des difficultés dans le cadre de mon travail et que je sais qu'il y a des plans de licenciement et que je peux pas faire peut-être partie potentiellement de cette charrette, comment je me situe? Alors certains vont peut-être se jeter à bras le corps sur le compagnon, voilà, pour peut-être apaiser aussi émotionnellement cette tension, mais peut-être que d'autres femmes réagiront de façon différente. Et quand je dis d'autres femmes, il y a aussi des hommes, hein, qui peuvent aussi alors être impactés sur le plan professionnel. Et là, pour le coup, beaucoup d'hommes peuvent dire aussi, je suis en baisse de libido, mais c'est pas un manque de désir par rapport à sa compagne nécessairement, ou son compagnon. Ça peut être tout simplement une baisse de désir qui est liée tout simplement à ce qu'il se passe émotionnellement dans sa profession, et donc ça a un impact sur son corps. C'est alors, sauf s'il y a évidemment des troubles effectivement fonctionnel, mais encore une fois, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit au début, mais là, si c'est OK, à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est vraiment ce qu'il vit ou ce qu'elle vit professionnellement qui va avoir des impacts. Ensuite, eh bien, est-ce qu'on compare aussi, qu'est-ce qu'on entend par le mot libido? C'est-à-dire, j'ai donné deux exemples concrets, par exemple, un autre exemple, est-ce qu'on peut comparer, ça c'est quelque chose que je dis souvent et qui est assez simple à comprendre. Je donne des fois des exemples assez énormes, mais justement que ça rentre bien, en tout cas dans la représentation que nous pouvons nous faire des fois des choses à travers les mots que nous évoquons. Libido, c'est tout de suite je m'envoie en l'air, mais pas forcément. Ça peut être autre chose aussi pour certains. Voilà, la sexualité c'est très très vaste. Donc, et puis comment chacun va quantifier encore une fois ce qui représente aussi sa sexualité. Alors par exemple sur ces exemples-là, ça pourrait être est-ce que je compare ma libido, si tant est que je sache encore une fois où est le bas, où est-ce que je me situe et dans le contexte. Est-ce que je compare cette libido encore une fois, de l'éveil de ma sexualité ou de ses 27 ans ou de ses 34 ou de mes 50 ans ou de mes 70 ans? Est-ce que tout est comparable? Véritablement, non. La sexualité va évoluer si j'ai des enfants, si je n'en ai pas, si j'ai un contexte aussi qui favorise cette libido ou si ça ne le favorise pas. Par exemple, il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui vivent dans des endroits aussi qui sont compliqués aussi à vivre, justement s'il y a des enfants, pour pouvoir aussi avoir cet épanouissement sexuel et ce désir en fonction aussi de, par exemple, du lieu dans lequel j'habite. Si mes enfants sont tous à proximité et que je n'ai pas la possibilité de les mettre dans une pièce à part, eh bien peut-être que ça peut être aussi compliqué aussi à vivre et ça participe aussi à une inquiétude peut-être qui va monopoliser aussi une partie du cerveau et qui va forcément avoir un impact sur le corps, puisque quand je ne suis pas libérée au niveau cérébral, on va dire, je ne suis pas dans une activation, une participation complète de mon être pour pouvoir aussi m'abandonner à cette joie de ce plaisir que je recherche. Donc voilà, je parle de cet appartement, mais ça peut être une maison, il peut y avoir du bruit à côté, ça peut être anxiogène. Il y a mille et une raisons pour lesquelles la libido, entre guillemets, pourrait dysfonctionner. Encore une fois, je ne suis pas sexologue, hein, les choses soient bien claires, ou sexothérapeute, je ne sais pas comment on dit, mais c'est quand même du bon sens, hein. Si on réfléchit un tout petit peu à l'histoire qu'on a pu avoir par rapport à la sexualité, on voit bien qu'il y a des phases dans la vie, et il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres, et il y en a où ils ne le sont pas du tout. C'est pareil si je suis par exemple, justement je parle en tant que parent, puisque je m'adresse quand même beaucoup aux femmes et aux parents, je suis papa, je suis maman, et je suis inquiet parce que mon enfant a été hospitalisé et sous perfusion, c'est un exemple que j'ai donné encore dernièrement à une personne. Est-ce que je peux être totalement libérée de mon désir, en tout cas de mon désir en tout cas d'être parent et d'être bienveillant à l'égard de mon enfant et d'avoir cette partie aussi qui est en lien avec l'enfant qui est à l'hôpital? Et peut-être que cet enfant y est à l'hôpital, mais peut-être que ça n'est pas très conséquent, mais peut-être que ça l'est aussi. Comment je peux libérer totalement, pareil, ma disponibilité
et libérer ce désir et ces hormones aussi, des fois justement qui sont nécessaires aussi, pour pouvoir activer ce processus aussi de désir et de plaisir, c'est très compliqué. Quand il y a une partie de son cœur qui est inquiet à l'égard de l'autre, qui est absent, qui est hospitalisé pour X raisons, eh bien, il ne faut pas demander l'impossible non plus, hein. C'est comme ça. Alors, évidemment, il faut relativiser ce que je dis aussi. Il y a des moments où, justement, dans les moments où on est le plus angoissé, le plus terrifié, le plus inquiet, c'est peut-être que là, justement, peut-être qu'il peut y avoir aussi des pics de libido. Et on sait bien aussi que pendant cette Deuxième Guerre mondiale, ou encore maintenant, bien sûr, puisqu'il y a la guerre dans de nombreux pays dans le monde, c'est peut-être là où justement l'instinct de survie est encore plus fort et on a encore plus envie de se rapprocher de son compagnon, de sa compagne, pour avoir justement peut-être ce côté un peu limbique, un peu reptilien chez nous, d'avoir aussi envie de se fondre dans le corps de l'autre justement pour pouvoir peut-être pérenniser aussi l'espèce. Ça paraît peut-être un peu simpliste, mais c'est aussi une réalité aussi de cette libido qui peut aussi avoir par moments des pics aussi, des seuils de désir extrêmement prononcés suite à justement des chocs aussi émotionnels, et ça peut aussi se produire. Donc voilà, il faut aussi relativiser beaucoup tout ce qui se passe dans ce corps, puisqu'il y a des moments où on est complètement hors de contrôle par rapport à ça. Il y a aussi des actions qui peuvent arriver aussi avec des motivations qui sont bien au-delà aussi de notre cerveau qui va réfléchir avec rationalité, hein. Faut se dire que voilà, quand je disais qu'on était qu'aux prémices de la découverte, alors on est allé très très loin déjà dans les recherches, hein, des neurosciences. Encore une fois, je ne suis pas neuroscientifique, mais je m'informe, je m'intéresse et puis je vis. Donc voilà, je peux aussi me rendre compte par moment, dis-je, encore une fois, nous pouvons tous nous rendre compte qu'il y a des moments, il y a aussi des actions que l'on peut mener qui sont complètement à l'inverse de ce que nous pourrions présupposer au préalable sur ce désir et cette libido. Ça paraît dingue, mais c'est la réalité aussi. Et on peut avoir aussi des accès et des désirs et de l'envie, des moments où complètement improbables. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. Il peut y avoir des circonstances extrêmement confortables, agréables, sécurisantes, bienveillantes, tout va bien, mais il y a une partie de nous qui est en résistance et qui ne pourra pas adhérer à cette recherche de plaisir. C'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser, comme je disais tout à l'heure, prendre ce temps aussi pour comprendre ce qu'il se passe, pour pouvoir justement accueillir les émotions et peut-être alors les décortiquer, en tout cas les sonder, les écouter, les entendre, les accueillir et pas les étiqueter ni les ranger, mais au moins de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire sur le plan émotionnel, sans encore une fois faire de psychothérapie. Ça n'est pas le but des fleurs de Bac, et si vous faites accompagner par un psychothérapeute ou un psychologue ou un psychiatre, c'est votre choix. Les fleurs de Bac, c'est une autre chose à pouvoir mettre en plus, on va dire, dans sa boîte à outils, mais voilà, chaque chose à sa place. Mais voilà, je voulais quand même redonner le contexte de la libido parce que ça peut paraître extrêmement vaste et simpliste de dire simplement, fleur de Bac libido. Vous savez que sur les réseaux sociaux, ça discute beaucoup, il se dit beaucoup de choses et beaucoup, beaucoup aussi qui n'ont rien à voir avec les fleurs de Bac. Donc c'est vraiment mon rôle et mon devoir, à mon sens, de pouvoir aussi clarifier la situation. En tout cas, voilà, je ne me porte pas en donneur de leçons, mais c'est mon rôle de conseillère agréée fleur de Bac. Donc voilà, j'ai envie de le dire et ça me paraît vraiment essentiel aussi de remettre du bon sens, de la sagesse, de l'écoute. De l'écoute véritablement de qui je suis, comment je fonctionne, qui je suis vraiment face à ça. Et après, peut-être poser des mots, et si voilà, il y a besoin, on va se faire accompagner. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause maintenant puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine. Et ce que je vous propose, c'est vraiment de faire ce temps aussi. Il y aura donc cette semaine d'écart. Et la deuxième vidéo, je vais plus rentrer dans un autre débat à propos de la libido. Débat, je ne sais pas s'il y a débat, peut-être qu'il y aura débat, on verra. En tout cas, c'est important aussi pour moi de clarifier aussi cette situation par rapport aux complexes qui sont déjà tout préparés de fleurs de Bac au sujet de la libido. Donc je vous souhaite une bonne semaine, merci encore d'avoir été présent, en tout cas d'être là, puisque je vois qu'il y a des vues, donc c'est que c'est vu. Et puis si vous voulez mettre des commentaires, allez-y, c'est toujours bien aussi de pouvoir partager aussi
voilà ses points de vue. Peut-être que vous aurez des choses à apporter les uns les autres par rapport à ce que je viens de partager avec vous. Et donc à bientôt et à la semaine prochaine. Voilà, au revoir.